Hello and welcome to Unheard. I'm Freddie Sayers. Eric Zemmour. Is that a name you've heard of? Well, you probably should pay attention because you might be hearing a lot more about it in the months to come. He is a right-wing intellectual from France who is suddenly placing second after the President Emmanuel Macron in opinion polls for next year's presidential election. He's come here to London. Behind me you can see people just queuing for his debut speech here in London. And why would he do that? Well, there are nearly 500,000 French people living here in London. So if you're building a presidential campaign or you're trying to raise money, this is a pretty good place to come. It's the third largest French city, people sometimes call it. We wanted to find out what he was about, maybe talk to some people and see what they like about him. And hopefully we're going to meet the man himself tomorrow. Let's go and check it out. So what are you protesting about? You're not happy Eric Zemmour is in town? No, we're not happy that Eric Zemmour is in town. He's been convicted twice for hate speech. That's why my board says hate speech has no place in London. Mm-hmm. And actually, we have asked Sadiq Khan to declare him unwelcome. We're the French Green Party in London, and thanks to our Green sister party here, a question was asked to Sadiq Khan, and he said that those ideas had no place here, so that's what we're here for. Which ideas in particular do you think are so bad that they can't be said out loud? Well, basically, he has said some very horrible things about unaccompanied minors, saying that they were criminals. I think that's very hateful and divisive and unfair and unjust, and it really doesn't represent the society that we believe in. What he's saying, kind of the diagnostic of French situation, French tensions, I think most people on the kind of centre-right to right-to-centre spectrum will kind of agree that has been an issue of integration, assimilation, and that there's many kind of social tensions across the country. Monsieur, est-ce qu'on peut vous demander pourquoi vous êtes ici? It's pour Monsieur Zemmour. So which ideas in particular do you think need saying? The conservatives one, the natural order, I would say. And coming back to basics and get rid of the recent exaggeration of progressivism. And the focus on the immigrant population, is that something that you're comfortable with, or do you think he takes that too far? Or? No, I'm just go and walk in the streets of certain cities in France and you will understand the... Well, actually, we quite like his ideas because he seems to be very sensible. And he offers something that other politicians just don't offer. And what is that that he offers? Well, he tends to be down to earth. I mean, he speaks about a reality that other politicians seem to deny or to hide or to... And the focus he has on the immigrant population, which is probably why there are people protesting behind me, is that something you think he takes too far, or is it appropriate? Well, we live in London, but I know that in some areas in France, because some friends of mine used to live in these areas, some areas in France are just no longer France. Mm. So I think that if we feel that sometimes he might be a bit extreme, but we have, you know, to find a balance, you need... Nothing has been done for the last 50 years. Mm. So now you have to take really strong measures. What's your impression? Well, I read his books and I find them very entertaining, very good French, full of ideas. It's not only immigration, he talks about everything. Mm. And I always enjoy watching him and his sense of humor. So he's kind of stimulating, interesting. He's stimulating. Clever. Very clever, yeah. Do you think you would vote for him though? Well, it's quite tempting. Do you think you would vote for him? Of course, yes. You would? Oh, yes. I've been following him since I was very young, so 2007. I was around 15 years old. I've always liked him. He was on TV very regularly in France, so I used to watch his, you know, his shows. Mm. Then he became more prominent politically, and yeah, I've always agreed with his diagnosis. So sum it up for us. What is his diagnosis? You know, mainly about France, immigration. I'm Lebanese. I became French in 2018, so I didn't vote for the last presidential election. And I think France is going in the same direction as my home country. I mean, my parents' country, so Lebanon. And I'd like to avoid that.
because you, do you not feel like, you know, you immigrated and became French, and that opportunity should be made available to others? It should be, but to a certain extent, you know, not. I don't think you can bring in, you know, entire parts of other countries and just bring them like this to other countries. It's about it's about the quantity for you. It's about quantity, and it's about the process, you know, how much a country can actually take in. I don't think, you know, a country with 60 million can take in 2 million 2 million immigrants, especially if you know, if you're getting a lot from the same countries, which end up a bit like in the UK, end up with a what you guys call community. So, you know, you cross different neighborhoods, you feel like you're changing countries completely. These people have dared to talk about issues that are put aside by mainstream media with complete disdain of what is the reality of the societies we live in. What's interesting here, though, is that it's kind of, the revolution is from the top bracket of society, I would say. I mean, these are, I don't know whether they're bankers or people with money, and they're here in London. And yet they're still comfortable giving their support, talking to us for Mr. Zemmour. They would not, I think, for Marine Le Pen. Definitely not. What's the difference there? Explain that to us. These are people who have read a lot, and they have a real concern of what is the mindset of a civilization and where we're going and what is the purpose of our politics. And because economy has been so central to the political conversation, that we didn't have the opportunity to talk about what is Western civilization. So he talks culture, he talks ideals, and that appeals to this kind of crowd. And he talks about the history. History has been completely cancelled. Where do we come from? What are the roots of our values, our traditions. Merci beaucoup. Merci d'être venu jusqu'ici, parce que vous devez dans une salle prestigieuse, le Royal Institute, si j'ai bien compris. Et là, on se retrouve à l'Ibis, bon, c'est beaucoup plus républicain. Que je ne peux m'empêcher d'admirer ce peuple anglais qui est toujours valeureux, toujours combatif, toujours vainqueur. Vous savez, l'historien Jacques Barbic dit quand les Anglais rentrent dans une guerre, c'est pour la gagner. Et en général, ils la gagnent. On peut d'ailleurs faire l'histoire de la France et l'Angleterre comme une espèce d'histoire antithétique entre la terre et la mer, entre le pays qui a voulu dominer le continent et le pays qui l'en a empêché, qui d'ailleurs a empêché tous les pays continentaux de dominer l'Europe, que ce soit l'Espagne de Charles Quint, la France de Louis XIV, la France de Napoléon, puis la Prusse et l'Allemagne. He's about 5 minutes into his speech, and I've got to say, it's not like any political speech I've ever heard. It's basically a history lesson. He's professorial. He's talking to people about the meaning of the three colours on the French flag, the complex history with England. And it's not exactly rabble-rousing, but they seem to be paying attention. Donc, merci à Sadiq Khan d'avoir montré que, en vérité, le multiculturalisme était porteur d'intolérance et de totalitarisme. Je vous l'ai dit, c'est. Imaginons qu'on gagne. Comment on fait contre l'État profond? Il faudra effectivement, vous avez tout à fait raison, lister les postes essentiels et ensuite trouver les gens et les hauts fonctionnaires qui appliqueront la politique voulue par le peuple français. Ce n'est pas gagné, mais je pense que c'est possible. Merci. Dans quelle mesure et comment est-ce que vous voulez que la France retrouve un peu plus d'indépendance? Moi, je pense qu'il y a une autre priorité d'abord, je vous l'ai dit, c'est arrêter
cette invasion migratoire, cette islamisation de quartiers de plus en plus nombreux. Je pense que c'est notre sujet majeur. Il ne faut pas se tromper de moment et de temps, il ne faut pas se tromper de priorité. La priorité, c'est d'abord cela, et pour moi, il n'y en a pas d'autre. Alors, vous avez raison. Merci à vous et à bientôt. The next day, we were invited to meet Mr. Zemmour in a hotel in London. Eric Zemmour, thanks for talking to us. Thank you. So I was at your rally or speech yesterday, and I guess it didn't seem like a typical political speech. It was almost more of a history lesson at times. Are you looking forward to becoming a politician? Je ne veux pas devenir un politicien. Je ne veux pas prendre les tics, les manies et surtout l'absence de franchise et d'authenticité qui les caractérise désormais en France de tous les bords. The thing that politicians ultimately do need to do, even if they're authentic, is choose policies. And a lot of people have been saying that you've been talking about big ideas to do with culture and history, but there haven't been many policies so far. La politique, ce n'est pas de la gestion. La politique, ce n'est pas présenter des listes de mesures. La politique, c'est parler aux gens de leur pays, vous savez, qu'est-ce qu'il va devenir, qu'est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il va devenir, quels sont les dangers qu'il rencontre, surtout en cette période où, selon moi, la France est en danger de mort. La France, aujourd'hui, est un territoire, si vous voulez, en forme de peau de léopard, avec des enclaves étrangères, où ne règne plus la loi de l'État français, de la République française, où c'est la loi des caïds de la drogue, des imams, où on applique davantage les principes de la charia que les principes du Code civil français. Ça, si vous voulez, il faut établir ce diagnostic et pour prendre des mesures pour s'opposer à cela. You went straight in there to this question of enclaves and immigrant communities, and talking to people in the audience yesterday, that was the thing that most of them raised. Vous voyez, la politique pour moi c'est ça, c'est établir le sujet qui intéresse le plus les Français. Je le dis autrement, on gagne la présidentielle, l'élection présidentielle française, en imposant la question à laquelle on a une réponse. Okay, so what is your answer then? You say you have the question and the answer. What is your answer to the problem of immigrant communities in France that are not integrated enough? Ma réponse est double. La première, c'est d'arrêter les flux. C'est de couper les flux, qu'ils n'arrivent plus d'étrangers. Aujourd'hui, il arrive des centaines de milliers d'étrangers par an de manière légale. Je ne parle même pas des immigrants illégaux qui sont, d'après les calculs, entre 400 000 et 800 000. Je parle des immigrants légaux. Il arrive 275 000 immigrants légaux, très peu pour travailler. La plupart, c'est pour dans le cadre des regroupements familiaux, étudiants, etc. Les gens qui déposent les droits d'asile ne sont jamais expulsés, même quand ils sont déboutés. Donc il y a à peu près 400 000 entrées légales par an, ce qui fait à peu près 2 millions au bout du mandat d'Emmanuel Macron. C'est énorme, c'est colossal. Il faut que tous ces gens ne viennent plus en France. Et pour cela, il faut enlever, si vous voulez, jusqu'à présent, depuis 40 ans, on a, au nom des droits de l'homme, donné des droits automatiques à venir en France. Et nous devons supprimer ces droits. Okay, so we put a stop to immigration. That's the first part. That's exactly. You will be controversial, but you can see how it might be. C'est fondamental. C'est fondamental pour deux raisons. D'abord, parce que ça s'accumule sans fin, et que surtout, et vous allez voir que c'est un lien avec la deuxième partie, les derniers arrivés sont les plus proches de la culture d'origine de ces pays, qui est en général musulmane, et font pression sur les plus anciens pour qu'ils n'adoptent pas les mœurs françaises. Vous voyez, par exemple, on a eu un cas, il y a quelques mois, d'un homme qui a brûlé
sa femme, parce que, disait-il, elle voulait vivre à la française. C'était entre guillemets, c'est donc son expression. Vous voyez, c'est ça qui nous arrive tout le temps. Tout le temps en France, on a des cas comme ça. Et je ne vous parle pas dans tous ces quartiers où il y a des pressions pour que les femmes se voilent, pour que les hommes respectent le halal, pour qu'ils ne mangent pas pendant le ramadan, vous voyez, etc. Et comme ça, il y a une organisation qui islamise des quartiers entiers et des populations entières. Et donc, la deuxième partie, c'est, une fois qu'on aura réglé ça, c'est assimiler, je dis bien assimiler et non pas intégrer. C'est-à-dire que nous avons eu le tort, nos élites ont eu le tort depuis 30 ans, de 40 ans, d'adopter la méthode anglaise qui est de respecter énormément les cultures d'origine, de vouloir faire vivre de façon... pour de faire coexister côte à côte des cultures différentes. Je suis hostile à cela. Je veux rétablir l'assimilation, je dis bien l'assimilation à la française. C'est-à-dire que s'approprier l'histoire, les mœurs, les habitudes, les traditions françaises, d'où qu'on vienne. Sinon, on rentre chez soi. Et deuxième et dernière chose, il y a beaucoup d'étrangers extra-européens qui ne travaillent pas en France, qui sont chômeurs ou qui sont inactifs. Le taux d'emploi des étrangers extra-européens en France est de 45%. C'est-à-dire qu'il y a 55% des étrangers extra-européens qui ne travaillent pas. Ces gens-là sont notre charge. Nous devons les renvoyer chez eux. So this idea of assimilation, it's easy to say that, you know, we're going to force or encourage people to take on the French culture, the French customs. Mm-hmm. How do you actually propose to do that? Do you feel no skepticism about how easy that is going to be? C'est sûr que c'est difficile. Vous avez raison. Pour deux raisons. D'une part, parce que depuis des décennies, nous avons, nous, Français, renoncé à cela. Et d'autre part, que nous avons une culture en face qui est très éloignée de la culture française, qui est une civilisation islamique, et qui est elle-même un rouleau compresseur assimilationniste. L'islam assimile très bien des populations très diverses. Et donc, il y a une espèce de lutte d'assimilation entre la civilisation française, qui a remarquablement assimilé les générations précédentes d'immigrants, et l'islam, qui est elle aussi une culture et une civilisation qui assimile. But do you believe it will be possible? Oui, oui, je pense que c'est possible pour une raison simple. Les gens qui sont venus chez nous ont fui des pays musulmans. Donc, ils ont fui un mode de vie qui ne leur convenait pas. Ils ont fui une civilisation qui avait entraîné de la misère, de la corruption, de l'absence de liberté, des hommes, des femmes, un mode de vie qui ne leur convenait pas. Sinon, ils ne seraient pas venus en France, vous comprenez? Donc, il faut le dire. Moi, je dis à ces gens, si vous êtes en France, c'est pour vivre à la française. Ce n'est pas pour rétablir le mode de vie et la civilisation que vous avez quitté, que vous avez fui. Et je pense qu'il y a beaucoup de Français de confession musulmane qui pensent comme moi, mais ils sont sous la pression, je vous l'ai dit, des derniers arrivés, ou des jeunes, ou des caïds de la drogue, ou des imams, et il y a une pression comme ça sur eux. Donc moi, je veux les libérer de cette pression en rétablissant l'autorité de l'État et en interdisant beaucoup de choses. Ce qui fait qu'ils pourront dire, pour respecter la loi, par exemple, les femmes diront, le voile est interdit, nous ne pouvons pas nous voiler. Bon. Comme ça, ils pourront répondre ça à leur père, à leur frère, aux jeunes, voyez, agressifs au bas de la cité. Je pense que c'est très important. Et c'est pour ça que je dis, si je ne crois pas à la différence entre l'islam et l'islamisme, pour moi, c'est la même chose. L'islam est non seulement une religion, mais c'est un code civil et c'est une religion totalitaire qui prend en charge toutes les parties de l'existence humaine et qui ignore l'individu et la liberté de l'individu. Ça, que ce qu'on appelle ça l'islam ou l'islamisme, c'est la même chose. En revanche, je fais une distinction entre l'islam et les musulmans. Il y a des musulmans qui peuvent se détacher de cette conception traditionnelle de l'islam pour adopter un islam à la française, c'est-à-dire un islam, comment vous dire, ou j'allais vous dire, d'inspiration chrétienne. Je m'explique, il ne s'agit pas de convertir les gens au christianisme, hein, vous comprenez, mais le christianisme a été une révolution anthropologique en cela que
c'est la première religion à avoir dit que l'important de la religion était à l'intérieur de l'individu. C'est la foi, et non pas à l'extérieur, dans la société, à se contenter d'être un corset de normes. Et ce qu'est l'islam, ce qu'était le judaïsme jadis, ce qu'étaient toutes les religions avant les monothéismes. Vous voyez, donc ça, je pense qu'il faut s'adapter à cette réalité française. You're saying that the Muslim population need to detach themselves from Islam. So it's essentially the Zemmour regime, were it to happen, would be a kind of conversion process where would have to choose whether they are Islamic or French. C'est pas le régime Zemmour, c'est la France. C'est la France depuis 1000 ans. Pardonnez-moi, les Juifs ont fait cela, ont fait ce travail-là. Ils avaient une religion qui ressemblait beaucoup à l'islam, qui était un ensemble, un code civil, un ensemble de normes. Et ils ont adopté le code civil napoléonien. Et ils ont confiné la religion dans le privé. Ce n'est pas le régime Zemmour, c'est la France. Ça s'appelle la France. Vous savez, c'est simple. L'islam est incompatible avec la France. La France, c'est liberté, égalité, fraternité. L'islam, c'est soumission, inégalité et fraternité avec la Oumma, mais pas avec les autres Français. Voilà. C'est ça, l'islam. Donc, c'est incompatible avec la France. Donc, c'est soit c'est la France qui fait des accommodements raisonnables avec l'islam, soit c'est l'islam et les musulmans qui font des accommodements raisonnables avec la France. Depuis 30 ans, c'est la France qui a fait des accommodements raisonnables, qui s'est soumis aux exigences de l'islam. Il faut inverser. Il faut désormais que ce soit l'islam qui fasse des accommodements raisonnables avec ce qu'est la France et l'essence même de la France. But so your project is nothing short of changing a whole religion, because what you have, your analysis is that Islam is fundamentally political. You make no distinction between Islam and Islamism. So you are actually requiring the whole philosophy, the religion of Islam, to change. Je ne veux pas changer l'islam. Je n'ai pas cette prétention. Je ne veux pas changer l'islam. Je veux simplement imposer aux Français de confession musulmane une pratique de la religion qui soit française. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut, on parle toujours des musulmans modérés, en vérité, il faut qu'ils soient des modérément musulmans. Voilà. Parce que, effectivement, il faut qu'ils renoncent à la partie politique de l'islam. Vous avez tout à fait raison, c'est exactement cela. Mais sinon, ils n'ont rien à faire en France. Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de musulmans, de Français, de confession musulmane, qui seraient ravis de se détacher de cette conception politique de l'islam, qui est, vous comprenez bien, un moyen d'asservir les individus. La France, c'est l'émancipation des individus. L'islam, c'est l'asservissement des individus. C'est la soumission. Donc il y a beaucoup de musulmans qui aimeraient adopter cette émancipation française, qui sont fascinés par cette émancipation française. Et moi, je leur tends les mains à ces musulmans-là. And so, practically speaking, that would mean the state intervening and becoming very activist within these communities, I suppose, looking out for imams that are saying things, new arrivals. How would that practically happen? Are you going to have special kind of policemen who are going to walk around these communities and watch out for anyone who's saying something wrong? What would it feel like? Les sermons des imams dans les mosquées sont déjà surveillés par la police aujourd'hui. But you wanted to relieve la pression, the pressure of... So that's more than just the imams, that's the new arrivals. Mais nous pouvons expulser des imams étrangers. Ça se fait déjà aujourd'hui. Ça, c'est pas un problème. But even civilians, normal citizens, if they... So it's going to need a lot of surveillance. Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a les délinquants, déjà. Donc, les délinquants il y a 25% de prisonniers étrangers dans les prisons françaises. 25%. C'est-à-dire sur une population de 60 à 70 000 personnes, ça fait 15 000. Vous voyez, ça fait beaucoup, à 20 000 personnes. Bon, ça, c'est une première chose. On les renverra dans leur pays. How are the receiving countries going to feel about this mass deportation? Ce sont leurs concitoyens. Hein. Ce n'est pas des Français. Hein. Ce sont des Algériens, des Tunisiens, des Marocains. Nous leur envoyons leurs compatriotes. Ce n'est pas des Français, ça. Hein. Après, si vous voulez, imaginez que vous ayez des délinquants français en Angleterre, ils
ils font leur peine en Angleterre, et après vous les expulsez, vous les renvoyez en France. C'est tout à fait normal, et les Français sont obligés de les reprendre. Ce sont des compatriotes. Là, c'est la même chose. Bon. Ensuite, il y a une deuxième partie qui est les doubles nationaux. Il y a beaucoup de franco-algériens, de franco-marocains, de franco-tunisiens, de franco-sénégalais. Je propose d'étendre les cas de déchéance de la nationalité pour ces gens-là. C'est-à-dire quand il y a des crimes, quand il y a des délits, ils seront privés de la nationalité française. Et là aussi, ils seront donc plus qu'Algériens, Tunisiens, Marocains, et nous les expulserons dans leur pays. Vous voyez, déjà là. Par ailleurs, For dual citizens. Comment? So, oui, only the dual, exactement. So having in the Zemmour regime, having a second passport. C'est pas Zemmour régime, ça s'appelle la République française. Okay, but la France faisait cela jusqu'aux années 70. Okay, but in your proposal, having a second nationality means that if you commit a crime, you will lose your French citizenship. Exactement. So if I was someone with two passports, I would make sure to get rid of my other nationality very quickly before this happens, because it puts me in a very vulnerable position. You don't think that will happen? Peut-être, à la marge. Let me ask you about language, because I think a lot of the reason people are anxious about you is that you talk in these very forceful terms, and there is a danger, isn't there, of activating the majority against this minority, and that's why people normally talk in more sensitive terms than you do about this question, because if you're not, because there is a real danger of increasing divisions. Vous savez, pour l'instant, on tue dans les rues de Paris depuis des années au cri de Allah Akbar. On ne tue pas dans les rues de Paris au cri de la France aux Français. Je pense qu'il faut quand même remettre les pendules à l'heure. So you don't worry at all that making a mainstream political argument like this and really amping up people's anxiety and anger with the Muslim community could have dangerous consequences. Non, monsieur, c'est pas moi qui monte les Français contre les autres. C'est, si vous voulez, la situation qui est devenue intolérable pour les Français. Voilà. Les Français ne supportent plus d'être chassés des banlieues parce qu'on islamise ces quartiers qui ne se retrouvent plus en France. Si vous voulez, il y a un sentiment de dépossession. Les Français ne se sentent plus en France, chez eux. Voilà. Il faut bien que vous compreniez ça. Ce n'est pas moi qui excite les uns contre les autres. C'est la situation qui est tragique. Les Français ne se sentent plus chez eux en France. Do you not worry that by using some of this language, its clash of civilizations, invasion of Muslim migrants, the things that you've been prosecuted so many times as hate speech, they don't belong here, you said, they're thieves, assassins, rapists, that's all they are, we ought to send them home and they shouldn't come back. This was about a group of migrants, that's one of the ongoing prosecutions. First of all, do you regret any of those expressions? And second of all, do you not think you will put off your more moderate potential supporters by using that kind of thing? Je ne regrette aucune de mes phrases. Je pense que ça a contribué à changer le cours de la politique française depuis deux mois. Je pense que si vous avez suivi le cours de cette début de campagne, tous les candidats de droite jusqu'à Marine Le Pen ont emprunté mes formules, ont repris mes diagnostics, repris mes propositions. Manifestement, les Français attendaient ce genre de discours, parce que ce que vous appelez de la brutalité, je le reconnais parfois, je suis brutal, c'est aussi parce que la situation est au-delà du brutal. Elle est tragique. Je pense que la France est en danger de mort. Je pense que dans 10 ans, 15 ans, nous serons un nouveau Liban en grand. C'est ça l'enjeu. Donc il n'est plus temps de faire des circonvolutions de langage et d'être mesuré, d'être nuancé. Il faut, vous savez, vous avez eu Winston Churchill. Vous savez que quand la menace est mortelle, il faut parler haut et fort. Donc vous savez ce que c'est. Donc je suis désolé, pour moi, il y a danger de mort pour la France. Et donc, quand il y a danger de mort, on ne s'embarrasse pas
on ne tient pas un discours mesuré, centriste, etc. On dit les choses crûment et je pense que les Français me sont reconnaissants, en tout cas beaucoup de Français, pas tous évidemment. Are there things that you wouldn't say because you would be worried it would be too flammable? Je vous répète, hein, ce n'est pas moi qui enflamme la situation. C'est la situation qui est en feu. C'est pas moi qui mets le feu. Le feu existe. Vous savez, il y a une formule d'un auteur français du XVIIIe siècle, Chamfort, qui dit « En France, on protège ceux qui mettent le feu et on persécute ceux qui donnent l'alerte. » Voilà, je donne l'alerte. Je dis « Voilà, il y a le feu. Ce n'est pas moi qui mets le feu. » Et simplement, j'essaye de trouver justement les moyens d'éteindre le feu. Et ceux qui disent non, le feu n'existe pas, ce sont eux les pyromanes. Ce sont eux qui laissent brûler la maison et détruire le peuple français. Monsieur Zemmour, thank you. Merci à vous. We've just finished our interview with Eric Zemmour, and I suppose I'm left with a slightly anxious feeling. Yes, he is clearly connecting with large numbers of French voters. The opinion polls are factual proof of that. And yes, the topic of integration of Muslim and other immigrant groups is obviously an important one that people, sensible people of the center, of the left, of the right, should take seriously. But sitting there on the receiving end of his rhetoric, I was surprised just how forceful, just how angry it was. I suppose I'd expected him to be a bit more witty, a bit more journalistic in the way he went about it, but it just hit me with the full force. We shouldn't be ignoring these topics and we shouldn't allow taboos to go around them, but full amping up and divisive rhetoric like that, I'm not sure what the long-term effect of that is. Thanks for watching. This was Unheard.